Sperone, l'un des plus beaux golfs d'Europe. Près de Bonifacio, niché en bord de falaise, un 18 trous au décor magique et aux conditions climatiques d'exception. Celui qui préserve l'idylle de ce lieu, c'est Stéphane. Et son secret pour entretenir son green, c'est de composer avec les éléments. On laisse le maquis le plus possible, on taille au minimum. On laisse la nature faire, quoi. On peut la pelouse, les bords, c'est ce qui fait la réputation même du golf. Alors, pour que ces 40 hectares soient irréprochables, l'arrosage est contrôlé par ordinateur. Il faut faire un deuxième passage. Stéphane connaît exactement le pourcentage d'eau dans le sol. Nous avons des capteurs dans le sol, des sondes qui nous aident à savoir s'il faut arroser un peu plus, un peu moins, supprimer l'arrosage. C'est énormément de travail, c'est jamais la fin, quoi. Une nature que l'on cherche à maîtriser à tout prix pour le bonheur des usagers, mais qui parfois peut reprendre ses droits. Depuis quelques années, nous avons énormément de sangliers qui rentrent à la nuit et qui font énormément de dégâts. Les aléas, Stéphane essaie de les anticiper le plus possible. Dans un golf de cette réputation, couper l'herbe est une opération très politique qui demande beaucoup de minutie. Du green tout plat, au rough en bordure de mer ou encore au virage des fairways, autant de reliefs qui demandent d'être taillés spécifiquement. On va couper vers là-bas. Là, nous avons une machine à fairway qui coupe le centre du parcours. Elle coupe à 11 mm. Elle sort tous les jours. Le green, l'avant-green, les départs, les tours de départ sont toutes des coupes de hauteur différentes. Chaque machine est différente pour bien un endroit bien précis. Sport de riche ou de paresseux, le golf souffre de ses nombreux poncifs. Au-delà des clichés, il n'en reste pas moins un sport d'adresse qui mélange à la fois stratégie du terrain et concentration. Ici, sur ce parcours, ce sont entre 6 et 10 km à pied que Patrick et Gustave vont faire aujourd'hui. Une endurance à laquelle cet ancien prof de sport n'avait jamais donné aucun crédit avant la cinquantaine. Après avoir pratiqué le tennis et autres sports, sport co, etc. Le golf ne bougeait pas assez pour moi et maintenant c'est un sport que j'ai découvert et que j'ai découvert trop tard. C'est un sport extraordinaire. 120 mètres. 124. Télémètre ou montre GPS, désormais on rattrape le temps perdu. Alors on ne badine pas avec la précision au cœur de la compétition. C'est du sable, donc c'est un coup particulier qui est bon, qui ne pose pas de problème aux pros, mais qui peut en poser pas mal aux débutants. Le golf associe les bienfaits de la marche au travail musculaire lié au geste du swing, un sport de stratégie qui allie condition physique, précision du geste, mais aussi et surtout poésie de la balade. C'est la liberté, la mer autour, c'est extraordinaire, c'est fantastique, on ne peut pas être mieux, c'est splendide, quoi. Et l'un des endroits uniques au monde de ce golf, c'est le trou numéro 16. Un swing à réaliser 300 mètres au-dessus d'une mer turquoise, entre deux pointes de falaise, bucolique et technique à la fois. Il se trouve de nouveau près de l'eau et il a un coup de 110 mètres où il faut de nouveau qu'il saute la falaise pour aller attraper le green qui est à 100 mètres. C'est un coup qui n'est pas dur mais qui psychologiquement demande beaucoup de contrôle. C'est vraiment un trou très spécifique, on en trouve très peu dans le monde. Pebble Beach, je crois, en a un comme ça. Et vraiment, la particularité de Sperone, c'est ce trou face à la mer. Il faut être calme, il faut être posé, il faut se maîtriser et accepter, oui. Travail de la souplesse, de la respiration ou encore de la tonicité, des exercices musculaires tout en douceur que Gustave compte bien faire tant que ses jambes lui permettront d'aller sur le green. On finira avec ce sport parce qu'on peut le faire jusqu'à 80 ans. On a des copains qui ont 80 ans, qui jouent encore. Et c'est un sport qu'on peut pratiquer longtemps, en couple, avec les enfants, en compétition pour ceux qui veulent s'accrocher. Et on dit, paraît-il, qu'un golfeur vit 5 ans de plus qu'une personne normale. C'est ce qu'on dit. J'espère que c'est vrai.